Salam alaikum tout le monde. Nous attendons le frangin, Abdallah. Et après, Inch'Allah, on va commencer ce live. Exactement, le fameux live. Aujourd'hui, il y a des choses à dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Et également le frère Soleiman, terre de sincérité, normalement, il devrait être avec nous. Je ne sais pas s'il pourra se connecter, mais bon, prêt, Inch'Allah. Ala kulli hal. Attends que le frère Abdallah vienne, je vais un peu introduire. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sallina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'a. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on est encore réunis une fois de plus pour parler d'un sujet qui est très, 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 très important. Et ce sujet, c'est les souffrances des femmes noires. Alors, je pense que tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Voilà, l'année dernière, on avait fait un live, et je crois qu'on l'avait fait en deux parties. Et on parlait de ce que les femmes noires, elles vivent et subissent, que ce soit dans la communauté musulmane et également en dehors de la communauté musulmane, parce qu'on pense que ce problème, parfois, il est propre à la communauté musulmane. Alors qu'en vrai, non, c'est pas un problème qui est seulement propre à la communauté musulmane, mais c'est un problème qui est même en dehors de la communauté musulmane, vu qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui démontrait que la femme noire était la femme qui avait le plus de mal à se marier dans la communauté américaine. Et je pense que c'est aussi représentatif de ce que les femmes noires peuvent vivre en France. Et de ce fait, voilà, c'est pas normal. Moi qui suis dans le din maintenant, alhamdoulilah, depuis 11 années, moi je l'ai déjà dit, hein, j'ai vu beaucoup de frères noirs qui avaient des comportements envers les femmes noires qui n'étaient pas normal. Mais salam alaikum. Salam. Ça va quoi? T'as mis l'armure. Ça va. Comment? J'ai dit, t'as mis l'armure. Ouais, j'ai mis l'armure là. Donc, tu sais, j'étais en train d'introduire et je disais que donc l'année dernière, on avait déjà parlé de ce sujet-là. Et aujourd'hui, on en reparle encore. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Pourquoi je me suis dit, ouais, je vais encore en reparler de ce sujet-là, pour que les gens comprennent bien. Parce que peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, il y a de la répétition, on en a parlé l'année dernière, pourquoi aujourd'hui, on vient encore à reparler de ce sujet. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, les rappels que je fais, ils sont en fonction des événements qui vont se passer autour de moi au quotidien. Et donc moi j'ai expliqué plusieurs fois dans mes lives que j'aime bien aider les gens à se marier. Tu sais, il y a beaucoup de frères qui viennent me contacter, ils me disent ils cherchent à se marier, il y a des sœurs aussi, elles contactent, elles disent elles cherchent à se marier, etc. Et moi j'aime bien aider les gens parce que voilà, il y en a beaucoup qui font pas ce travail-là. Il y a un ami à moi qui est en France, il m'a envoyé des profils de sœurs, il m'a dit ouais, essaie de leur trouver des frères et tout, tu vois. Donc au début, il m'envoie des profils de sœurs d'Afrique noire, Afrique subsaharienne. Je balance les profils à un ami à moi qui a un groupe de Zawaj. Il n'y a pas de retour. Toi, les retours, ils sont très timides. Pourtant, c'est des sœurs jamais mariées, des sœurs qui sont très investies religieusement. Donc normalement, il devrait y avoir des retours, mais il n'y a pas de retour. Et c'est plusieurs profils de sœurs noir. Maintenant, il m'envoie deux profils de sœurs maghrébines. J'envoie les profils à mon ami qui tient le groupe de mariage.
Et là, tu vois les réactions, les afflux. La plupart, c'est des frères noirs. Je me dis, mais subhanallah, il y a quelques heures, j'ai envoyé des profils de sœurs noires. Il n'y a pas eu de réaction. Et quand j'envoie des profils de sœurs maghrébines, là, tu vois, on dirait comme des mouches qui sont venues autour d'un repas. Tu vois, j'ai pas compris. Et donc, c'est là que la semaine dernière, c'est à cause de ça que j'ai refait un rappel dessus. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les femmes noires, elles ont autant de mal à se marier que ça? Je me suis dit, c'est pas normal. Après, je parlais avec mon ami, j'ai dit, mais subhanallah, tu vois, lui, c'est un entier, il est marié avec une malienne. Il m'a dit, mais c'est comme ça, tu vois. Il m'a dit, dès qu'il met des profils de sœurs maghrébines, etc., directement, ça part. Et dès que tu mets des profils de sœurs noires, ça met du temps, etc. Et voilà, les sœurs, elles ont carrément du mal à se marier. Tu entends plein de sœurs, elles ont 31 ans, 32 ans, 33 ans, elles n'ont jamais marié, au point où la dernière fois, il y a une sœur, elle est divorcée depuis 6 ans. Elle a dit, oui, voilà, je suis divorcée depuis 6 ans. Elle a dit, je crains de tomber dans la fornication. Elle a dit, je crains de tomber dans la fornication. La sœur, elle a besoin de se marier, etc. Et les sœurs, voilà, elles n'arrivent pas à se marier. Donc aujourd'hui, moi, sincèrement, j'aimerais bien qu'il y ait des sœurs qui puissent intervenir. Parce que là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Et donc, on va commencer ce live. En tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait des sœurs qui puissent venir intervenir. Parce qu'en vérité, le live, il est pour les sœurs. Hein. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mais je tiens juste à préciser. Je tiens juste à préciser. Là, il y a une sœur qui veut rentrer, je crois. Je tiens juste à préciser. Et voilà, vous ne mettez pas vos visages, s'il vous plaît. Pas de visage, pas de complaisance. On veut des témoignages dans le but de faire avancer les choses. Mais on est des musulmans. Donc, on a des principes islamiques à respecter. Et il faut que l'on protège et préserve ces principes islamiques. Et on doit chercher l'agrément d'Allah Azzawajal avant tout. Donc là, il y a une personne qui veut rentrer, on va Excuse-moi, l'accepter. madame. Excuse-moi. Juste Ouais, avant bismillah. de démarrer ce live, peut-être après, déjà, peut-être après, on va reparler de. Comme je dis, hier, on Ah avait. oui. Hier, Ouais, il y avait quelque chose qui m'a. Moi, ça m'a clairement choqué. ouais, ouais. Ouais, il y a un Et point que après, tu on va essayer voudrais. de. Comment? Il y a un point que tu voulais revenir sur le live Bah, d'hier. moi, je voulais revenir là. Hier, on a oublié de revenir sur ce point-là. Quand on avait parlé, quand on avait traité le sujet, il y avait une question qui avait été donnée, qui avait été posée, si une femme. Le sujet d'hier, c'était le live, c'était sur la jurisprudence de la polygamie, pour ceux qui n'étaient pas là. La jurisprudence de la polygamie. Voilà. Maintenant, il y a une question qui a été posée. Il y a une sœur qui a posé la question. Si, voilà, elle a une coépouse. Et que sa coépouse, elle décède, elle laisse des enfants en bas âge. Donc, son mari, il a des enfants qu'il a eu avec son autre épouse en bas âge. Est-ce que, elle est obligée de s'occuper de ses enfants ou est-ce qu'elle a le droit de refuser? Après, suite à cette question-là, il y a eu des commentaires, il y a eu des commentaires durant le live qui ont choqué, hein, moi personnellement ça m'a choqué, voire même dégoûté. Il y a même des sœurs, alhamdoulilah, il y a des sœurs qui rappelaient alors d'autres sœurs, disent mais c'est abusé ce que tu fais comme ça. Et franchement, il y avait des réponses que ça faisait froid dans le dos. Hein. Quand tu entends des ouais, ben, c'est pas mes enfants, ça me regarde pas, cela, moi je trouve ça très étonnant. Je trouve ça vraiment, c'est honteux. Clairement, voilà, c'est la honte. Voilà, c'est la honte. C'est-à-dire que ces mêmes sœurs, peut-être qu'on va les entendre dire, ouais, il y a des sœurs, elles se marient avec un enfant, le frère, il veut pas s'occuper de l'enfant de la sœur. Et nous, on était les premiers à le condamner, on l'avait fait dans nos lives précédents. Et là, maintenant, on entend des phrases comme ça. Et moi, je trouve ça terrible. C'est-à-dire, moi, je me demande comment quelqu'un, c'est-à-dire Allah, dans la nature saine de la femme, il a mis l'instinct maternel. C'est-à-dire qu'une femme, elle n'a pas de rahma pour des enfants en bas âge et de surcroît les enfants de son homme, de celui qu'elle prétend aimer. Moi, je trouve que le cœur, il est noir. Pour répondre comme ça, le cœur, il est noir. C'est extraordinaire.
Et moi là, c'est moi clairement pour pas de zigzaguer. Moi, je dis mais les frères, en tout cas toute femme qui aurait une mentalité aussi dégradante que celle-là, mais il faut pas se marier avec des femmes comme ça. Si vous vous mariez avec des femmes comme ça, vous êtes cinglés, les frères. Une femme qui a pas de rahma pour un enfant. Au départ, c'est ton enfant. Demain, ce sera ta mère. Si ta mère a un problème, elle aussi, elle va dire c'est pas mon problème. Les frères, soyez des hommes. C'est-à-dire que ce type de femme, mais écartez-vous de ce type de femme. C'est ça, Abou Maadi. Même pas par Abou Maadi, Machal, il a dit, hein, il a dit sur des femmes, il faut les divorcer. Moi, personnellement, il m'arrive une situation comme ça. Déjà, j'ai le deuil de ma première épouse. Tu me dis, mes enfants, ils sont privés de la douceur maternelle. Et mon autre épouse, elle vient, elle dit, moi, tes enfants, j'en veux pas. Mais moi, je la divorce, frère. Je la divorce. Qu'elle vienne pas me dire qu'elle m'aime, c'est ça. Ça veut dire, elle accepte pas une partie de moi. Subhanallah. Moi, je la divorce, frère. À un moment, faut qu'on parle clairement. Non, t'as tout à fait raison. Parle clairement. C'est scandaleux, ça, frère. Ah, moi, j'ai un ami, c'est ça qu'il a eu. Hein. J'ai un ami à moi, j'avais fait un live avec lui. Je crois qu'il est présent parmi les téléspectateurs. Il s'est marié avec une sœur. Bon, lui, son ex-femme, son ex-femme n'était pas morte. Mais en gros, sa femme, elle disait, moi, je ne garde pas ton enfant, tu vois. En gros, c'est même pas que son enfant vivait avec lui. Hein. C'est-à-dire que parfois, il avait des petits droits de visite. Donc, elle ne voulait pas garder son enfant à lui, mais elle est partie travailler en babysitting. Garder les enfants des autres en babysitting, mais elle voulait pas garder le fils de son mari. Au final, les gens ont fini par divorcer. Non, moi, il y a un frère que je connais très bien, que j'aime beaucoup et que je demande à Allah de l'élever en degré. Au fait, il s'était marié, il avait eu des enfants et la femme avec qui il était marié, elle a eu des problèmes. Ouais, c'était super compliqué, problèmes psychologiques, bipolarité. Bref, c'était le fauda. Il a dû divorcer. Les enfants ont été privés de la présence de leur mère, et tu vois, il y avait même des troubles. Tu vois, il y avait des troubles. Mmh. Moi, j'allais le rendre souvent visite à ce frère-là. Tu voyais même ses enfants, ils étaient en demande d'attention. Même quand ils me voyaient, moi, tu vois, ils me donnaient beaucoup d'amour. Ils avaient la perte de la présence maternelle. Et le frère, quand il s'est remarié avec une autre femme qui avait des enfants, le frère, il considérait tous les enfants, que ce soit les enfants de sa femme, comme ses enfants à lui. Mais la femme, elle faisait une distinction. Jusqu'à même ces enfants-là, déjà, ils sont perturbés par l'absence de leur mère. Mais la belle-mère, elle faisait une distinction, mais flagrante. Jusqu'à le faire, elle est forcée. Les enfants, ils étaient perturbés. Les enfants, ils étaient perturbés. Mais moi, je trouve que c'est très grave. C'est très grave qu'en tant que musulman, on ait un cœur aussi noir et un individualisme aussi noir. Parce que le fait que tu me dises... L'enfant, il t'a fait quoi? C'est un enfant de bas âge. Tu me dis, t'en veux pas. Après, tu vas me dire, c'est ta jalousie. Mais ta jalousie, moi, je suis désolé, ta jalousie, ta jalousie, elle est alimentée et c'est un allié de Shaitan. Moi, je parle comme ça. C'est un allié de Shaitan. Si ta jalousie, elle te pousse comme ça à ne pas avoir de miséricorde pour un enfant, moi, je suis désolé, t'es l'allié de Shaitan. Moi, je ne sais pas comment un frère qui peut venir, il dort avec quelqu'un qui ne veut pas accepter ses enfants. C'est-à-dire, à un moment, les frères, soyez des hommes. Soyez des hommes. Parce que moi, j'entends des histoires des frères, ils sont là, non, elle n'a pas voulu accepter mes enfants. Et puis, ils commencent à plier les genoux. Oh, frère, t'adores Allah ou t'adores les femmes? Sois un homme. Sois un homme, subhanallah. Sois un homme. C'est tout. Barakallahu fik, akhi, pour ce rappel. Qu'Allah Azza wa Jalla te récompense en bien. Donc, le message, il est passé hein, pour les frères qui écoutent. Soyez des hommes. Taïbla, il y a une sœur qui est. Je crois que c'est une sœur qui est entrée. Bismillah, on t'écoute. Hein. Et il faut que tu parles plus fort. Ouais, bismillah. Hein. Non. On n'entend pas bien. Hein. Ouais, ça coupe. Hein. On n'entend pas bien. Déjà, je voulais te remercier pour un sujet qui nous impacte directement. Ma soeur, vraiment, il faut parler plus fort. On ne t'entend pas. Je ne sais pas en si fait... dans notre discours, on entend. Dans les commentaires, on ne t'entend pas aussi. Tu peux parler plus fort, ma soeur.
ou pas? Ouais, là, on t'entend mieux. T'entends mieux déjà. Donc, déjà, je voulais te remercier, enfin, remercier le frère qui a eu la volonté de faire intervenir ta soeur dans le débat, puisque c'est un sujet qui te concerne directement. Et c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Moi, j'entends pas. On n'entend pas la soeur, désolé. Même les commentaires, ils disent qu'ils n'entendent pas. Si tu as des écouteurs, enlève tes écouteurs, mets ton parleur. La voix de la femme, ce n'est pas une aura, ma soeur. Hein. Juste, tu n'as pas une voix complaisante, tu parles normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Là. C'est beaucoup mieux. Donc, comme je disais, je voulais remercier déjà le frère qui a eu la volonté de faire intervenir des soeurs dans le débat, puisque c'est un sujet qui les concerne directement et ce n'est pas tout le monde qui aurait eu cette démarche-là. Donc moi, si j'ai pu intervenir, c'est vraiment pour faire des retours sur les commentaires déjà que j'ai lus dans la story avant de traiter du sujet de fond. La première chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche la communauté noire. Et la chaîne du frère, c'est souvent destinée à l'égard de tous les musulmans, donc des hommes, des femmes maghrébines, même d'hommes, des femmes asiatiques. Donc c'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas forcément être impactées par ce dont on va parler ce soir. On n'entend pas Mohamed Amine, les commentaires, bon. Il n'entend pas et moi j'entends très faiblement. Moi j'entends, mais c'est vrai qu'on entend. Il faudrait que tu parles plus proche de ton micro, de ton téléphone. En fait, si elle a un écouteur, t'entends l'écouteur, ça marche pas. Sur Instagram, de temps en temps, ça marche pas, ça dépend de la qualité du téléphone. Si tu retires et tu mets plus de haut-parleur, on t'entendra meilleur. Ouais. Ouais. Attends, j'ai retiré les écouteurs là. Là, on t'entend bien. Là on t'entend mieux. Maintenant, essaye de parler vraiment fort, ouais, de telle sorte qu'on puisse te comprendre. Donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui touche majoritairement les femmes noires et qui est spécifique à la communauté noire. Mais je trouve que c'est pas. Certaines personnes ne sont pas forcément concernées par ce qui va être dit aujourd'hui. Qu'elles doivent en fait décrédibiliser le débat. Parce que comme le frère l'a dit, l'année dernière, il a parlé d'un sujet sur la place de l'homme noir. Sur la place de l'homme noir, on est tous musulmans, il n'y a pas de distinction entre nous. Traiter de ces sujets, c'est se diffuser entre nous. Là, c'est là, on ne demande pas en fait de lutter de ce que de dénoncer là. Mais en fait, les gens disent qu'on n'entend rien. T'es en voiture, c'est ça? Non, je suis chez moi là. Là, mais là, quand tu parles comme ça, on t'entend bien. Oui. Quand tu parles là, voilà, là, on t'entend là. D'accord. Donc, si on ne veut pas, il ne faut pas le décrédibiliser. Quand j'entends, les mots, ils ont vraiment des points. Quand j'entends des personnes qui disent c'est un discours victimaire, c'est toujours les mêmes qui se plaignent. En tant que musulman, sachez que c'est des personnes aussi qui ne sont pas musulmanes qui vont vous traiter de la même sorte quand, par exemple, vous allez dénoncer le traitement dont vous faites l'objet en France. Donc, d'accord. Ma soeur, je vais essayer de retranscrire ce que tu dis. Parce que c'est pas tout le monde qui t'entend. La sœur, elle a dit que, en gros, c'est un sujet, le sujet qu'on est en train de traiter, c'est un sujet qui concerne principalement la communauté noire. Mais beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par ce sujet, et dès lors qu'ils ne se sentent pas concernés par le sujet, ils essaient de décrédibiliser ce sujet. Et ça, j'allais même, c'était parmi les sujets que j'allais aborder, c'est que est-ce que la communauté musulmane, elle minimise les souffrances des femmes noires? Ça, j'allais aborder le sujet. Ma soeur, c'est bon, je te laisse continuer. D'accord. Et donc, le frère, il a introduit ce sujet en disant, enfin, le mariage. En expliquant en fait la spécificité du problème quand les soeurs noires se marient. Il faut savoir que là, le problème qu'on va évoquer, c'est un problème en fait au-delà même du mariage et à son importance dans la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce n'est pas des soeurs qui se sont réveillées, qui ont voulu avoir une kabbala et qui les ont pas eues, donc elles commencent à dénoncer ça. C'est le problème dont on va parler, ça a un petit peu dans sa famille,
toi dans le plus scolaire. Donc, c'est vraiment des problèmes intrinsèques face à la communauté. Et ça, en fait, c'est pas spécifiquement lié au mariage. Parce que dire que c'est spécifiquement lié au mariage, c'est quand même débat. Ouais, même moi, je t'entends pas trop. Hein. C'est, même pour retranscrire, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment qu'on t'entend vraiment pas. Si je te déconnecte et que je me reconnecte, on peut voir si ça marche mieux. Vas-y, vas-y, essaye de sortir et tu te reconnais pour voir si ça marche mieux. Bon, la soeur est descendue. S'il y a une autre personne qui veut monter, bismillah. Mais moi, le premier sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est... c'est ce que il y a une sœur, elle avait posté un message qui était très pertinent. Elle avait dit inadmissible que dans une communauté où l'on se considère comme frère et sœur, il y a un écho là. Je pense que c'est la sœur. D'accord. Il y a un écho chez la sœur. Et une communauté où on se considère comme frères et sœurs de religion, on ne soit pas capable de s'écouter, de s'entraider là-dessus. Tu vas dénoncer ce problème, on va te dire de te taire, de ne pas créer la fitna. Mais en attendant, dans les groupes de mariage, 9 annonces sur 10, tu vas trouver asiatique, rebeu blanche, tout sauf noir. Vas-y ma sœur, on t'écoute. Pour voir si ça passe bien. Allô, tu nous entends? Allô, tu nous entends? Allô? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, là, on t'entend largement. Mieux. Ah, d'accord. Largement. Okay. Bon, je vais reprendre ce que j'ai dit en revenant vite fait. Mm-hmm. Donc, la première chose que je disais, c'est que on va parler d'un débat intra-communautaire et il y a une possibilité, comme la chaîne du frère, elle est destinée en majorité à des musulmans, qu'il y a des personnes qui se sentent pas vraiment concernées par le débat. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment de pas décrédibiliser le débat, puisque quand, en fait, des personnes utilisent les termes, c'est toujours les mêmes qui se victimisent, c'est des faux débats, ça peut faire en fait vraiment mal à des personnes qui vivent ça, qui ont vécu ça et qui ont eu des traumatismes par rapport à ça, et qu'il faut savoir que certains termes que ces personnes vont utiliser, c'est les mêmes termes que vont reprendre par exemple des gens qui sont pas musulmans pour parler en fait des musulmans par exemple qui veulent dénoncer l'islamophobie. Donc en fait le sens du message que je veux dire, c'est que si vous vous sentez pas concerné, n'essayez pas en fait de décrédibiliser la parole des autres. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est que le frère, il a introduit ce débat en parlant du mariage, qui a son importance dans la communauté musulmane. Mais il faut savoir que les problèmes qui vont être évoqués, c'est au-delà même en fait du mariage. C'est pas des sœurs qui se réveillent à 20 ans et qui ont des problèmes pour leur moukabala. Souvent, les problèmes dont on va parler, c'est des problèmes qui tirent en fait leur source, des fois, de l'enfance. Tu peux être victime de colorisme ou de misogynie noire dans ta famille, dans le milieu scolaire ou même autre. Donc, en fait, il faut savoir que c'est pas une demande de quémander l'amour ou une demande de à tout prix se métisser. C'est des problèmes beaucoup plus profonds. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que certaines voilà personnes ont dit par exemple mais c'est un faux problème, il y a des femmes qui arrivent à se marier avec des noirs, des arabes et des blancs. Enfin, on va parler d'un problème en fait spécifique à une communauté. Enfin, on va parler d'un problème qui est sociétal. Donc en fait, utiliser des exemples de individuels de personnes, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire parce que ça en fait c'est détourner le débat. Bien sûr qu'il y a des femmes noires qui arrivent à se marier. Mais ça ne veut pas dire que, comme elles sont arrivées en fait à avoir un mari, que les autres ne vont pas en fait subir des problèmes de recherche de mari. Et enfin, je voulais la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est une femme qui avait dit, je crois une femme, oui, une sœur qui avait dit, oui, mais le colorisme, c'est rien et tout, c'est dans la vie, c'est pas grave en vrai. Qui en a quelque chose à faire du colorisme. Je voulais dire que ces propos, ils sont quand même un peu très très graves, puisque quand on sait que en 2020 il y a eu 23 milliards en fait de bénéfices dans le marché en fait des produits éclaircissants. C'est qu'il y a un problème en fait quand on parle de colorisme et de misogynie noire. C'est-à-dire s'il y a des hommes et des femmes qui arrivent à dépenser autant dans des produits qui vont mettre en danger leur santé,
et les mettre en danger eux-mêmes, c'est qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond. Et moi, je suis très contente qu'il y a plein de gens qui passent au-dessus de ces problèmes dans leur vie de tous les jours. Même moi, je me réveille pas et je porte pas le poids du colorisme sur mon dos quand je me réveille le matin, mais ça n'enlève pas en fait que c'est des problèmes que beaucoup de gens vont subir. Et même si tu le subis pas tous les jours dans ta vie, à certains moments, tu seras obligé en fait, on te renvoiera à ça, même malgré toi. Donc voilà, c'était d'abord ça que je voulais. Enfin, c'est d'abord je voulais en venir sur ça parce que j'ai vu que dans les stories, les personnes en fait, elles ont avant même d'avoir cherché à traiter les sujets de fond, elles ont sorti en fait des excuses, c'est-à-dire ah mais moi j'ai réussi à me marier avec telle, ah mais les femmes qui parlent de ça, elles abusent, etc. Donc c'était vraiment pour évoquer d'abord ce sujet avant qu'on parle des problèmes de fond. Mashallah, mashallah, barakallah fik. Très compensant bien. Est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît, parce qu'on entend de. Donc on va, inchallah, réagir sur ce que la sœur elle a dit. En fait, tu t'appuies sur le micro ou sur l'écran? Voilà. Donc, moi, je trouve les propos, ils sont vraiment pertinents. Ça, c'est parmi le premier point. Ça, c'est le premier point que j'avais élucidé. C'est le silence de la communauté. Bon, on va prendre les groupes de mariage parce que c'est le plus parlant. Mais quand dans les groupes de mariage, t'es ta normale, tout sauf femme noire, et que les administrateurs des groupes de mariage, ils laissent passer ça normal. Tu vois, je pense que c'est. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Dis-moi. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, j'aimerais d'abord qu'on essaye de mettre en avant la démarche d'aujourd'hui. Ça part pas un peu dans tous les sens parce qu'on sait que c'est un sujet qui est assez délicat. C'est un sujet qui est délicat. Il y a beaucoup de gens qui ont, je ne peux pas dire de la rancune dans le cœur, mais qui ont du désagrément dans le cœur. Et de temps en temps, c'est humain qu'on essaie d'évacuer les choses néfastes qui sont restées dans nos cœurs. Moi, à la base, je te l'avais dit, je voulais venir tirer sur tout le monde. Il y a un de mes chouillures qui m'a calmé. Il y a un de mes chouillures qui m'a calmé. Ouais, il y a un de mes chouillures qui m'a calmé. Il bug. Ouais, d'accord. Tu sais, il y a un de mes chouillures qui m'a calmé. Il y a un de mes chouillures qui m'a calmé. Le truc, c'est que là, on va essayer de diagnostiquer un problème profond pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et c'est sur cet état d'esprit qu'il faut qu'on reste. Et c'est sur cet état d'esprit qu'on doit donner une ligne de conduite. C'est-à-dire que dans nos propos, il faut qu'on sache mesurer, nuancer les choses, qu'on essaye de regarder les choses réellement en profondeur afin de trouver une solution. Ça, c'est la première chose. Vraiment, j'insiste sur ce point-là. Après, par rapport à ce qu'a dit la sœur, elle a dit quelque chose de très pertinent. Son témoignage, il est extrêmement pertinent et il est correct de A à Z, dans le sens que c'est un problème qui ne s'arrête pas au goût et aux couleurs. On n'a aucun problème avec le fait que certaines personnes, ils pourraient avoir une préférence pour, voilà, quelqu'un, il est noir et il a une préférence pour une femme blanche ou vice-versa. On n'a aucun problème avec ce point-là. Honnêtement, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Et je pense que personne ne devrait avoir de problème sur ce point-là. Donc que les personnes qui sont peut-être en mariage mixte ne se sentent pas obstruées ou ne se sentent pas, voilà, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent eux? Voilà, ça veut, nous, on n'est pas tous comme ça. Nous, on ne parle pas de ce problème-là. Là, on parle d'un problème, comme a dit la sœur, sociétal. Un problème qui a des, qui a des, qui, au fait, le constat qu'on voit actuellement ne sont que les conséquences de tout ce problème sociétal qui est dans la communauté noire et particulièrement dans la communauté noire musulmane. Parce qu'il y a déjà un problème dans la communauté noire de manière générale et il y a un problème dans la communauté noire musulmane. Ça, moi, je ne le cache pas et il faudra qu'on en parle. Il y a un problème général dans la communauté noire, un problème identitaire. Exactement. On peut chercher maintenant le pourquoi du comment. Est-ce que, voilà, on va essayer d'analyser tout ça. Mais il y a un problème
générale dans la communauté noire, et il y a un problème particulier chez les musulmans noirs. Ça, on doit le dire. Et comme a dit la sœur, ça ne s'arrête pas qu'au mariage. Et ça doit être traité. Voilà. Donc, Non, c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, malheureusement, depuis qu'on est jeune. On t'entend de loin, là. J'ai dit depuis qu'on vous entendez de loin. Vous m'entendez bien, là, ou pas? Dans mes écouteurs. Vous m'entendez bien? Moi, je t'entends. Ouais. J'ai dit, malheureusement, depuis que l'on est jeune, ce problème-là dans la communauté noire, le fait qu'il y a une crise identitaire, on le voit malheureusement. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent. Et en fait, il faut qu'il y ait... Bon, là, maintenant, c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience dans la communauté noire, mais on dirait qu'il y a encore des séquelles, des cicatrices qui sont vraiment présentes. Il y a ma petite sœur qui est rentrée. Diandra, on t'écoute si tu voulais intervenir. Oui, moi, en fait, je voulais intervenir. Oui, donc c'est Diandra, hein, avec une voix grave, mais c'est Diandra, c'est la petite sœur. Donc, en fait, moi, je voulais intervenir pour dire que effectivement, parce que bah, franchement, je ne suis pas forcément pratiquante, donc moi, je parle... Moi, j'avais une question à te poser. Une question à te poser. Oui. Ça, c'est ma petite sœur, hein, ma petite sœur directe, même père, même mère. Donc, il y a des gens, parce que comme toi, on va dire que tu n'es pas vraiment dans la sphère musulmane. Oui, exactement, oui. Donc, tout à l'heure, il y a des gens qui disaient dans les stories que ce problème, c'est un problème intra-communautaire. Il est spécifique à la communauté musulmane. Non. En fait, je vais vous expliquer. Les femmes en dehors de la communauté musulmane qui s'assument, qui sont des nabis, elles arrivent à se marier. Non, elles ne subissent pas tous ces... Tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un problème parce que moi-même, je suis une nappe. En tant que communautaire ou c'est un problème qui est dans la communauté noire en général? C'est un problème qui est dans la communauté noire en général. Moi-même, je suis une nappe. Moi-même, je suis une nappe. Ce problème-là, qu'est-ce qui va faire qu'une femme nappe ou une femme, je veux dire une noire qui s'assume totalement et complètement, qui ne se décolore pas ou tout ce qui s'ensuit, elle ne va pas vivre ça, et elle va attirer vers elle des hommes aussi, des panthères, des hommes qui s'assument, des hommes noirs qui ont leur conscience noire, qui ne sont pas décomplexés et tout ce qui s'ensuit, tout simplement. Maintenant, c'est un problème en fait. Pourquoi on pense que ça touche les musulmans? Parce qu'en fait, c'est un problème qui touche en fait les noirs de cité. Excusez-moi, ils vont être touchés. C'est un problème de noirs de cité, en fait. Donc, moi, je les appelle les complexés de cité, excusez-moi. Ça touche les complexés de cité, en fait. Donc, les footballeurs, les rappeurs, les patatis, les patatas. Ça touche ces personnes-là qui sont touchées vraiment par ce problème-là, en fait. À l'heure actuelle, moi, j'ai une copine à moi, c'est une rebeu. On s'est rencontrés cette année. C'est devenu une très bonne amie à moi. Elle a toute sa vie qu'avec des noirs, toute sa vie. Elle n'est pas forcément pratiquante. Toute sa vie, elle a été avec des noirs. Et elle n'a aimé que les hommes noirs toute sa vie. Et donc là, maintenant, bon, pour des problèmes qui la regardent de violence, elle a décidé que c'est fini avec les hommes noirs. Mais quand elle me raconte ce que ces hommes avec qui elle a partagé sa vie pendant des années, ils lui disent sur les femmes noires, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème en fait. C'est quoi le problème? Excusez-moi des termes. Hein. Ah, elle pue. Ah, elle sent la transpiration. Ah, les cheveux comme si. Ah, la femme noire, ça. En fait, c'est que des choses en fait, où tu te rends compte. Mais en fait, on est le reflet, finalement, de ce qu'ils n'aiment pas chez eux. En fait, ils sont complexés sans le savoir, en fait. Donc, le problème, il est plus profond. En fait, c'est même pas comme, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, un problème d'amour ou de préférence. Parce que si c'était que de l'amour, chacun a le droit d'aimer qui il veut. Chacun a le droit. Voilà, moi, je viens d'une famille où il y a le multiculturalisme. Il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les origines. C'est de l'amour, vrai. Tout le monde a le droit d'aimer qui on veut. Mais en fait, là, c'est un problème plus profond dans le sens où moi, j'avais des petites, des copines à mes nièces qui sont des métisses. Être née avec mes nièces, elles étaient. Quand elles nous racontent ce qu'elles vivent, des petites filles noires, déjà de 15 ans, 14 ans, j'avais envie de pleurer. Elles te racontent qu'elles vivent déjà dès le collège des discriminations par rapport aux petits garçons noirs. Parce que de toute façon, ce qui est vendu, c'est la petite, excusez-moi du terme, la rebeu, le renoir, la blanche, le renoir, mais la noire, non. La noire, à la limite, c'est la bonne amie, c'est la sœur, mais en tout cas, c'est pas la femme. Qu'est-ce que tu me dis là? Ça me fait penser à un ami à moi qui est originaire du Cap-Vert. Un jour, j'étais avec lui, tout ça, il cherchait à se marier. Et je lui dis, pourquoi tu prends pas une femme noire? Il me dit, ouais, non, les femmes noires, c'est mes sœurs, tu vois, mais moi, si je me marie, il faut une maghrébine et tout ça. Ça, en gros, il peut pas avoir d'attirance pour une femme noire. Il est considéré tout comme ses sœurs. C'est du mensonge. La vérité,
La vérité, après, voilà, on est sur un groupe, c'est, voilà, c'est, on est, la conversation, j'ai envie de dire, c'est du mensonge parce que parfois, honnêtement, et très régulièrement, ces personnes-là, accompagnées de femmes blanches, excusez-moi, hein, des termes, mais c'est-à-dire qu'ils te mangent du regard. Vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas un problème de, ils ne sont pas, je suis parti à Nice cet été, ben, avec ma copine et tout ça, j'étais à Nice, et franchement, à un moment, on était à un parc aquatique pour les enfants et tout ça, et je regardais autour de moi. Et tu vois donc la commune, voilà, tu vois les blancs, ils sont là entre eux, en couple, entre eux, voilà, les rebeux, ils sont entre eux en couple. Dès que tous les hommes noirs, ils étaient avec une femme blanche ou une rebeu. Tous les femmes, tous les hommes, c'était, en fait, c'était tellement, c'était flagrant, en fait, ce. Tu vois, et tu te dis, en fait, à ce moment-là, tu te dis, mais attends, moi déjà, je suis là, je suis ici à Nice, ville de blanc, excusez-moi, quoi qu'il se passe, on a besoin d'être avec nos semblables. Quoi qu'il se passe, on a besoin d'être avec nos semblables. Ça veut dire que toi, tu es là, tu te sens gêné, tu cherches tes frères et sœurs du regard qu'on a entre nous, on se connaît, on se sait, regardez, t'as pas beaucoup de noirs. Et donc, en fait, je me dis, ces personnes-là, c'est des gens qui sont complexés parce que quand ils sont dans leur belle famille, quand ils sont où qu'ils soient dans leur vie, ils ressentiront ce truc de waouh, où sont mes semblables? C'est un problème qui est beaucoup plus profond que c'est pas seulement dans la communauté musulmane. C'est un problème qui est partout. Vous n'avez qu'à allumer la télé, regarder la télé différemment. Vous n'avez qu'à regarder les films américains différemment, les petites blagounettes du genre « Ah, ma soeur, t'es trop noire !» Donc, c'est un problème qui est partout, en fait, qui existe partout. Malheureusement, après, les choses, elles commencent à changer parce qu'il y a une conscience qui s'élève. Et au bout d'un moment, la femme noire aussi n'a qu'à apprendre à savoir boycotter certaines industries, certaines choses pour pouvoir refaire entendre son mécontentement. Mais voilà, en fait. Ok, ben vous, les sœurs, vous êtes là, vous vous posez des questions, la sœur aussi. Ah, juste par rapport à ce qu'a dit la par rapport à ce qu'a dit la sœur, c'est un fait par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a mis en évidence qu'à la base, elle a bien dissocié le fait des goûts sociaux, des goûts, quelqu'un il a un goût physique, que le fait que la femme noire, en fait, quand l'exemple que tu as donné, ouais, non, c'est comme mes sœurs, en fait, le truc, ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'à la base, la femme noire, dû à la propagande mondialiste qu'on a Exactement. mise sur la femme noire, en fait, je suis désolé, on va parler clair aujourd'hui, on a dit on parle clair, hein, on va parler clair, Mohamed Ali. Exactement. La femme noire n'a été que sexualisée, parlons Exactement. clair. Ça veut dire que de la même manière que ces gens-là vont dire c'est nos sœurs, parce que non, ils ne se voient pas peut-être mariés avec elles, mais ils se voient faire des choses bizarres avec elles. Exactement. Parce que quand tu regardes la société, on a mis en avant la femme noire que pour la sexualisation. Et Exactement. c'est pour ça que tu vas voir que même, et ça remonte à à très loin. Tu sais que même les Occidentaux, tu vas même à l'époque des Napoléons, tout ça, les Occidentaux, quand tu parles des pays, des républiques dominicaines, tous ces pays-là, c'était des endroits où les Occidentaux, ils allaient là-bas juste pour faire leur petit tourisme Exactement. sexuel avec des femmes noires. C'est-à-dire, ils ont leur madame en Occident, mais quand ils ont envie de petites attractions un peu olé olé, peut-être qu'ils voient qu'il tourne et dans son œil, avec son regard, il voit que bon, peut-être la morphologie de la femme blanche pour lui, c'est pas assez attrayant, alors il prend Ouais. son voyage pour essayer de faire des trucs bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, il faut qu'on soit clair. Il y a des livres sur ça. Moi, je peux donner des noms. Hein. Je peux donner des noms. Bon, maintenant, après, c'est pour ça que ça veut dire, là, il faut qu'on comprenne que non, notre problème n'est pas le fait qu'un homme, il est plus attiré par une femme Exactement. autre que son origine. On n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est que l'homme ne veut pas d'une femme de son origine parce qu'il considère que le fait qu'il la prenne, eh ben alors, ça le rabaisse Exactement. dans un rang social. C'est ça, la chose. Ça, il faut mettre ça clairement. Maintenant, juste pour compléter ce qu'a dit la sœur, ce que j'ai dit aujourd'hui, je tire sur tout le monde. Mais quand tu vas voir les femmes noires qui ont réussi, les plus barres ou ce que tu veux, mais c'est la même chose, elles sont avec des blancs. Ouais, mais c'est un problème. C'est Le un problème, problème c'est sur que la c'est moins communauté. visible. Pourquoi? C'est moins Absolument, visible. Pourquoi? Absolument, par exemple. Je t'en donne plein, Ramayad, tout ça, il y en a plein. C'est la même Donc, chose. Pourquoi? Pourquoi c'est moins visible? Pourquoi on en parle moins? Pourquoi on en parle moins? Parce que l'homme noir, bah, on le met plus en valeur que la femme exactement, noire. exactement. Mais maintenant, Attends, mais encore une fois, encore une fois. il y a certaines sœurs, elles ont dit que
Le fait que certaines femmes noires sont tournées vers autre que des hommes noirs, ce sont à cause des hommes noirs eux-mêmes. Exact, ben oui. Je suis Moi, je toujours là. vais... Moi, je dis oui. Moi, je dis oui et non. Moi, je dis oui et Attends, non. attends, attends, réagir. Réagissez, on vous écoute. Ah oui, c'est vrai. Souvent, quand les femmes que vous avez citées, qui sont aussi sur le devant de la scène, souvent quand elles se mettent avec des hommes autres que la commune, enfin des hommes de la communauté noire, c'est qu'en fait, elles-mêmes, dans la communauté noire, elles ont été victimes de moqueries ou d'insultes. Par exemple, si on prend le cas de Serena Williams, je crois qu'elle est mariée avec un blanc. Serena Williams, ça a été la seule, enfin avec sa sœur, c'est les seules joueuses de tennis qu'on a masculinisées comme pas possible. Serena Williams, on parlait de son corps, on la comparait à un homme, on disait qu'elle était costaud, etc. C'est les mêmes, enfin c'est les mêmes préjugés qu'on va retrouver sur Aya Nakamura, c'est-à-dire qu'on va masculiniser la femme noire, on va l'animaliser. Et moi, je peux comprendre qu'il y a certaines femmes noires, surtout celles qui sont foncées de peau, qui en fait, comme elles ont intégré que avec les expériences qu'elles ont vécues, qu'en fait avec les hommes noirs c'était pas possible, mais en fait elles ont pris d'autres options, en fait elles ont tourné de bord. Parce qu'en fait, quand on parle de problème, du problème de préférence, c'est aussi un débat important parce que en fait on dit pas, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, je comprends pas pourquoi ça dérange qu'un homme ne soit pas attiré par les femmes noires. En fait, on cherche pas là à se faire désirer, en fait on cherche pas, voilà, on quémande pas l'amour. Ce qu'on pointe du doigt, c'est que pourquoi quand l'endogamie c'est la norme, tu vas voir que la majorité, bon, je ne veux pas dire la majorité, je n'ai pas les statistiques, mais la plupart du temps, quand on va demander à un homme noir quelle est sa préférence, il ne va pas pointer du doigt les femmes de sa communauté. Il va pointer du doigt la blanche, la rebeu, etc. Alors que l'endogamie, c'est la norme. En fait, on est attiré vers ce qui nous ressemble. Quand des Exactement. Français sont à l'étranger, ils se retrouvent, ils vont juste entendre parler français, ils vont aller vers la personne parce qu'en fait, ils se ressemblent, ils se connaissent. Donc, quand tu vois que dans une communauté, la grande proportion, par exemple, des hommes vont vouloir se tourner vers les femmes qui ne leur ressemblent pas, c'est qu'il y a un problème derrière. Enfin, beaucoup d'hommes utilisent le terme préférence. En fait, ils se mentent à eux-mêmes. C'est pas une préférence. En fait, chez eux, c'est un critère de beauté. Parce que préférence, quand on dit préférence, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'aime les hommes noirs. Pourtant, si j'ai un, là, je prends un exemple. Imaginons, j'aime les hommes noirs. Pourtant, s'il y a un homme blanc, un homme rebeu, un homme asiatique, voilà, qui est intéressé par moi ou qui vient vers moi, je vais pas lui dire non. Même si ma préférence, c'est les hommes noirs. C'est comme, par exemple, j'aime un yaourt à la fraise. C'est pas pour autant que je veux pas manger des yaourts à la vanille, etc. En fait, ces hommes-là, ils utilisent le terme préférence alors que pour eux, la couleur de peau, c'est typiquement un critère de beauté. C'est pour ça qu'on entend des phrases comme désolé, moi, je suis pas trop Renoir. Dans toutes les communautés, il y a des femmes belles. Quand tu, par exemple, tu utilises le terme moi, je suis pas trop Renoir, ça veut dire que parce que la femme, elle est noire, tu as déjà intégré dans ton esprit que pour toi, c'est pas possible. Tu peux pas te retourner vers cette femme. Et là, en fait, la couleur de peau, ça devient concrètement un critère de beauté pour ces gens-là. Et c'est pour ça que, il faut aussi dissocier le débat. On ne dit pas qu'on quémande l'amour. On ne dit pas qu'on est dans les préférences des gens. On est là à faire la chasse au métissage ou autre chose, en fait. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on n'est pas un exemple près. Ce qui se passe là, c'est un problème sociétal. C'est un problème communautaire. Donc, en fait, on va pas critiquer le choix des gens. On n'est pas là pour voir les individualités. C'est juste, on établit en fait un constat. Dans la communauté noire, enfin, je vais pas dire la majorité, mais une grande partie des hommes vont en fait se détourner des femmes de leur communauté pour aller voir ailleurs. Et là, c'est un problème quand on sait que l'endogamie, c'est la norme. On est attiré par ce qui nous ressemble. Moi, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec ce que dit la sœur. En fait, ce que je voulais dire en évidence, il y a ce problème-là, ce problème que la sœur vient d'énumérer, il est évident, il est clairement évident. Les causes de cela, comme je le dis, il faudrait qu'on rentre en profondeur la propagande qui a été faite, il faudrait qu'on précise la propagande qui a été faite de telle sorte que même la beauté, elle est plus subjective. La beauté, maintenant, elle est plus subjective. C'est-à-dire que la beauté, on nous impose de manière très subtile une pensée, un critère de beauté. Maintenant, le fait que, maintenant, il faut savoir aussi nuancer, le fait que tu puisses avoir une préférence de couleur de peau ne veut pas dire forcément qu'il y a un problème, dans le sens que il y a des personnes qui vont trouver une personne peut-être, je sais pas, trop pâle, blanche de peau, il va pas aimer. Tu vois qu'elle est trop blanche, il va pas trouver ça attirant. Maintenant, le problème qu'il y a, effectivement, c'est un problème sociétal. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que j'essaie de dire quand j'ai dit de l'autre côté des femmes, par exemple, la sœur, elle m'a donné l'exemple de Serena Williams.
Oui, moi, Serena Williams a eu ses troubles dus à son enfance. Moi, j'avais lu justement un article de ça. Elle était pendant très longtemps avec un noir qui était très affirmé. Il s'appelle Common, qui est très affirmé et très engagé sur le problème noir. Serena Williams, c'est une chose. Moi, je suis d'accord. Mais moi, par exemple, quand j'ai cité des personnes ici, particulièrement en France, des personnes de milieux politiques. Déjà, bah, eux, je pense que le débat américain et le débat français, il est différent quand même. Voilà, c'est ça. Le débat américain, c'est déjà un autre problème parce que les Américains, les Noirs américains ont écrit leur histoire. Ouais. Les Blancs américains. C'est-à-dire, les Américains ont imposé une culture chez eux. C'est-à-dire que la noire se reconnaît. Le noir se reconnaît. Le noir, il a son style. Il a ses waves. Il a son baggy. Il a tout ce que tu veux. Il y a eu un style. C'est-à-dire, il a marqué son histoire. En France, l'identité de l'homme noir, elle est floue. Mais c'est le footballeur. C'est flou. Le footballeur, le rappeur, c'est flou. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à la femme, quand je disais les femmes politiques, les femmes comme Pluvar ou ce que tu veux, moi. Faut parler clairement. C'est pas parce que elles n'ont pas trouvé d'homme noir. C'est parce que elles, dans leur milieu social, bah, c'est bien vu d'être avec un blanc. Et ça aussi, c'est aussi un problème identitaire. Et même aux États-Unis, même si c'est beaucoup minime, parce que justement, comme je vous l'ai dit, la communauté noire américaine, elle a su s'imposer et écraser ce problème-là. Mais dans la communauté noire, moi, je suis resté longtemps aux États-Unis, par exemple, il y avait une mouvance de femmes noires qui disaient pas d'hommes noirs. Eux, ils vont en prison, ils vont ceci, c'est pas des gens qui étudient, c'est pas des gens ceci, c'est pas cela. Il y avait aussi ce problème-là. Mais comme c'est tellement, l'homme noir, il s'est tellement, en fait, l'homme noir, on l'a tellement laissé avoir sa place, contrairement à la femme noire, c'est moins visible. Exactement. Et même quand je dis qu'on l'a laissé, avoir sa place, moi, c'est pas valorisant. Non, on n'a pas. C'est-à-dire que. Ils ont besoin de l'homme noir. Ce qu'a dit la sœur, pour moi, c'est pas valorisant. C'est-à-dire que moi, quand on te montre l'homme noir, que lui, il est bon, que pour danser, pour ses facultés physiques, et puis on te dit, j'aime bien l'homme noir, parce que de toute façon, on dit que l'homme noir, il aime bien aller voir la blanche et l'arabe. Mais il faut aussi dire aussi que l'arabe et la blanche aussi aiment bien l'homme noir. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc, mais les raisons pourquoi elle aime bien l'homme noir, ou on le traite comme un joujou sexuel. Exactement, zoophilie. Soit c'est, voilà, bah, en fait, l'homme noir, si t'es attiré par là-bas, c'est que pour l'affaire de sexe, ou c'est parce que, ah non, ils bougent bien quand même, t'as vu, ils ont ça dans la peau, les noirs. Ah bah, je suis désolé. Et le problème, c'est que même certains hommes noirs, pour eux, ils se vantent de ça, alors que c'est pas valorisant, mon frère. Ouais. C'est pas valorisant. Moi, juste ici, en Égypte, là. En Égypte, j'étais parti quelque part. On m'a demandé mon origine. J'ai dit que je suis congolais. On me dit, Kofi Olomidé. Moi, je dis non. Pourquoi tu me dis Kofi Olomidé? Pourquoi tu me dis pas Patrice Lumumba? Moi, j'aimerais bien que quand tu me dis Congo, tu me dis Patrice Lumumba. L'un des plus grands penseurs qui s'est battu contre l'impérialisme et le colonialisme. Mais non, toi, tout ce que tu as à me proposer, c'est Kofi Olomidé, un gars qui incite les femmes à avoir à faire de la perversion. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et c'est là le problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est d'un truc qu'on a montré l'homme noir. Alors, l'homme noir, il n'a pas été éveillé. Et puis, lui, il croit dans sa valeur un peu bizarre. Voilà. Là. Il croit, on l'a mis en mode distraction. Il croit, c'est ça, il est valorisé. Et de l'autre côté, la femme noire n'a pas été valorisée. C'est pour ça que c'est moins visible. Mais dans les deux cas, que ce soit chez la femme noire, ou chez l'homme noir, il y a un très, très grand problème d'identité. Dans un pourcentage, quand même, il faut dire que dans un pourcentage, voilà, parce que l'homme noir, justement, on le met tellement en avant, il est tellement valorisé parce qu'il est tellement footballeur, tellement chanteur, ouais. Il est valorisé, mais en même temps, il est dévalorisé à la fois. Non, mais il ne se rend pas compte. Il est pas intelligent. En fait, ils n'ont pas la distance. Ils n'ont pas la distance. Pour le rap. Pour voilà, le divertissement. Pas parce que c'est une personne intègre, pas parce que c'est une personne qui a apporté quelque chose à l'humanité, etc. Oui, mais moi, j'ai une question. J'ai une question pour vous, une question qui fâche, une question qui est. J'ai dit, je vais poser cette question à l'auditoire aujourd'hui.
La question, c'est est-ce que la femme noire, ne paye pas le fardeau? Oh là là, on sait déjà. Ouais. Est-ce que la femme noire n'est pas en train de payer le fardeau en fait de toutes ces années où elle ne s'est pas affirmée identitairement, c'est-à-dire qui ça? C'est marrant. Oh là là. Est-ce qu'elle ne paye pas ce fardeau-là? Mais en fait, tout simplement. Identitaire. Excusez-moi. Tout simplement. Parce que, déjà, premièrement. Attends, moi, j'apporte. On va dire que je me fais un peu le porte-parole des pères aujourd'hui. Non, mais oui, mais c'est en fait. Pourquoi les hommes noirs disent quoi? Ils disent t'as une femme chez toi, amène pire. C'est d'hypocrisie. Attends, laisse-moi terminer. T'as une femme chez toi, amène pire. Teinture, défrisant. Apparemment, on m'a rapporté que quand la femme enlève sa perruque au bout de 2 mois, ça peut, il peut y avoir des odeurs, ça sent mauvais, etc. Ah, mais si ce n'est qu'une femme qui est sale, effectivement, ça sent mauvais. Donc, il y en a qui disent, bah, dans ce cas-là, autant prendre le si elle veut ressembler à du faux. Si la femme noire, il y a quelqu'un qui m'a dit, un frère, il m'a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, la femme noire, en vérité, elle ne s'est pas affirmée dans le monde de la beauté. Elle a pas, comme il a dit tout à l'heure, aux États-Unis, tu vas voir que les femmes noires, elles ont leur style, elles ont leur mode, etc. Les femmes blanches, tu vas voir qu'elles ont leur style, elles ont leur mode, etc. Mais la femme maghrébine aussi, elle a son style. Il y en a qui disent, la femme noire, en tout cas de France, elle n'a pas su s'affirmer dans les standards de beauté. C'est et faux. En plus, une vraie blanche, une fausse blanche, une noire qui veut se prendre pour une blanche, etc. Alors déjà, c'est faux parce que déjà, la suprématie et la beauté suprême, extrême, c'est le caucasien, c'est avoir les cheveux très lisses. Donc même, ma copine, elle est rebue, elle n'aime pas ses cheveux bouclés qui sont magnifiques. Il faut absolument que ses cheveux soient toujours bien lisses. Donc le modèle de beauté suprême, extrême, c'est le modèle caucasien, déjà pour commencer. Donc c'est pour ce problème de perruque, c'est ça, on est en 2021, honnêtement, à part dans la communauté musulmane où cela est interdit, honnêtement, ce problème, donc, c'est-à-dire qu'un homme noir lambda, en fait, on ne peut plus dire que c'est un problème de mèche, de tissage, parce que ma copine aussi, elle me disait ça, oui, ils disent que les cheveux qui traînent partout dans la maison à cause des tissages. Ma copine, à chaque fois qu'elle vient chez moi, je vais te passer l'aspirateur H24 tellement j'ai ces extensions qui traînent partout dans la maison. Pourtant, moi, c'est moi. Du coup, là, c'est le sens inverse. Quoi. C'est moi la nappy et c'est elle qui a les perruques. Vous voyez, c'est une blanche. Donc, c'est un problème, en fait. Ça, c'est donner des excuses encore pour moi. Non, mais attends. Je sais pas. Attends, je veux juste dire quelque chose. Que la raison, c'est des excuses. Je veux juste dire quelque chose. Parce qu'il y en a parfois, ils disent, les femmes musulmanes, par exemple, elles font pas ça, etc. Mais, en fait, quand tu es un homme noir et que dans ta maison, tu as grandi avec des femmes noires et que tu as vu toujours, toute la journée, des femmes noires qui ne sont pas affirmées, c'est-à-dire que même quand tu rentres dans l'islam, que tu t'islamises et que tu t'investis religieusement, tu as toujours cette image de la femme noire qui ne s'affirme pas. Ça reste chez une personne. Dans son inconscient, ça reste. C'est-à-dire que lui, il dit, non, moi, je veux une femme qui s'affirme, etc. Et il dit, voilà, même si les femmes noires, même quand elles se sont investies religieusement, ben, elles ont délaissé tout ça. Non, moi, je veux une femme qui est vraiment naturelle, etc. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que beaucoup, elles arrêtent parce que religieusement, c'est interdit, mais en gros, si ce n'était pas interdit, elles le referaient encore comme une sœur, elle a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment de conviction. Non, c'est un problème profond, ça. Le fait d'être naturel, ça ne devient pas un mode de vie. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît, pour rebondir sur la sœur? Je pense que là, tu l'avais posé la question dans la story, c'est des excuses. C'est-à-dire que il faut aller plus profond que ça. On peut pointer du doigt les sœurs qui portent des tissages, des perruques, etc. Mais aujourd'hui, si elles le portent, pourquoi elles le portent? C'est parce qu'il y a un idéal de beauté. Après, Inch'Allah, je vais vous faire sentir parce qu'il y a d'autres personnes. Okay. Aujourd'hui, laisse parler la sœur. Après, moi, j'aimerais bien répondre sur ça. Il y a un idéal de beauté. L'idéal de beauté, c'est la femme blonde, aux cheveux lisses, grande et mince. Et quand on regarde
la femme qui est noire avec des cheveux crépus, qui par nature en fait sont volumineux mais qui n'ont pas forcément une importante longueur, c'est celle en fait qui va s'éloigner le plus en fait du critère de beauté qu'on a montré en fait comme la norme, comme ce à quoi il faut ressembler. Donc aujourd'hui, moi je considère que c'est des excuses parce que ces mêmes personnes qui disent oui, celles qui portent des perruques, des tissages, elles s'assument pas. Il faut voir aujourd'hui comment ils traitent celles qui laissent leurs cheveux. Il faut voir les commentaires qui leur disent. Aujourd'hui, enfin il y a pas longtemps, il y a une porte-parole du gouvernement qui était noire, elle laissait ses cheveux crépus. Il faut voir comment les gens lui disaient, mais enfin c'est pas soigné, mais elle peut pas les, elle peut pas les tresser, elle peut pas les lisser, elle peut pas les coiffer. Or c'est ses cheveux. Non, il y a aussi les. Il y a l'homme noir, il y a l'homme blanc, il y a la femme. Des fois même des femmes noires. En fait c'est tout le monde, c'est tout le monde parce qu'en fait dans les têtes le cheveu crépus c'est pas un cheveu beau, c'est pas un cheveu valorisé. En fait c'est une texture de cheveux, mais on est arrivé à un point où c'est devenu même en fait comment dire, c'est devenu une mauvaise chose d'avoir ses cheveux crépus, c'est considéré comme pas valorisé. Alors que c'est une texture de cheveux, comme les cheveux frisés, comme les cheveux lisses, comme les cheveux longs. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est des excuses. Et quand on parle de, par exemple, de perruque et de tissage, quand on va regarder, c'est que les femmes noires, en fait, qu'on pointe du doigt quand on parle de ces problématiques. Parce qu'il y a aussi quand on parle, par exemple, des célébrités, etc., plein de chanteuses, pas forcément des chanteuses noires, elles portent des perruques. Parce que le port de la perruque, ça permet de pouvoir changer plus facilement de couleur, de ne pas abîmer ses cheveux. Mais quand tu vas voir, par exemple, ce n'est pas Wedgeden, la chanteuse, qu'on va accuser de porter des perruques, c'est Aya Nakamura. Donc là aussi, ça fait partie, en fait, ça découle de la misogynie noire, où par exemple, il y a une double standardisation, c'est-à-dire que chez les femmes noires, ce n'est pas valorisé, mais chez les autres, personne va les pointer du doigt. Les Kardashian aussi portent des perruques. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a que les femmes noires qui portent des perruques. Les femmes blanches, les femmes rebeux, les femmes asiatiques, elles portent des extensions. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit que quand eux, ils portent des perruques, et en fait, oui. Ils portent des perruques qui leur ressemblent à leurs vrais cheveux. Je suis totalement d'accord. En fait, le problème, il y a deux problèmes dans ce qu'il dit. En fait, le truc, d'abord, il faut d'abord qu'il y ait un problème. Tu vas répondre, mais je suis désolé, je vais vous faire sortir, comme ça je vais faire entrer d'autres personnes. Vous pouvez écouter ta réponse. Ça veut dire que tu vas dire encore ? Juste une chose, parce qu'on a dit, oui, la femme noire, elle n'a jamais cherché à s'idéaliser, à ce je ne sais pas quoi. En fait, c'est bien trop facile de demander à la femme noire. Sans l'aide de ces hommes, sans l'aide de sa communauté, c'est pas la femme. J'allais venir, ma sœur, c'est sur ça que j'allais venir. De communauté, parce qu'en fait, c'est pas comme à l'image des Américains, justement, comme vous l'avez dit, qui, quand ils ont été discriminés, ont créé leurs industries. Parce qu'en fait, après, il y a des problèmes, lui, c'est propre à tous les Noirs, mais il y a certaines populations, comme les populations anglophones, qui ont su s'affranchir de certaines choses et créer leurs industries et créer leurs choses. C'est donc, ça. En fait, on demande à la femme noire, en fait, européenne, de se débrouiller toute seule. Débrouille-toi. C'est pas mon problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux problèmes dans cette histoire. C'est trop facile en fait. Parce que la femme noire, elle a besoin justement d'être valorisée, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle avec ses cheveux. Parce que vous avez des filles aujourd'hui, je suppose. Vos filles, c'est des petites filles noires. Moi, je vois ma fille aujourd'hui, je suis obligée tous les jours de la convaincre qu'elle est belle. Je suis obligée tous les jours parce qu'elle allume sa télé, parce qu'elle regarde des dessins animés, parce qu'elle voit dehors, parce qu'on n'est pas valorisé. Ça commence à se faire de plus en plus. On commence à avoir de plus en plus de cheveux crépus, de cheveux afro, de femmes qui s'assument. Mais voilà, la femme noire, à elle toute seule, elle peut pas combattre les dictats menés par des grandes industries et voilà, par L'Oréal, par un tel. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour finir. C'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux problèmes dans ce moment-là. Il y a deux problèmes. Il y a un problème du côté de la femme, il ne faudra pas le nier. Et il y a un problème du côté des hommes. C'est-à-dire qu'à la base, c'est les hommes d'un peuple qui valorisent ces femmes. Exactement. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas accepter qu'on dévalorise ton peuple. Moi, je comprends pas, en fait. Ça bug dans mon cerveau. C'est pour ça que moi, j'avais dit dans les stories que l'un des gros problèmes de l'homme noir, quand on regarde, par exemple, le maghrébin, quand on était jeune, ma petite soeur qui est là, elle pourra témoigner, on a grandi dans une ville où il y avait beaucoup de maghrébins, ils sont très jaloux pour leur femme. Et l'homme noir n'est pas jaloux pour sa femme. C'est ça que j'allais dire. Il dénigre la femme noire dans les. C'est ça que j'allais dire. Bon, le linge sale, tu le laves à la maison. Nous, on a connu des frères arabes. Ils avaient beaucoup de choses. Le linge va couper plus tard. Ok.